Salut, c'est Benji qui joue Sonic the Hedgehog, les versions Master System. Parce que l'année où Sega avait sorti son jeu sur Mega Drive, il avait aussi fait une version sur sa console 8 bits. Donc c'est une version largement inférieure, tout au niveau des graphismes et des performances. Mais c'est quand même un jeu très très sympathique. Parce que c'est des niveaux totalement originaux, avec des systèmes qui n'ont pas du tout été utilisés dans la version originale. Et j'apprécie aussi pas mal ce jeu parce que c'est en fait le premier jeu auquel j'ai joué de ma vie. Je fais ce passage-là très lentement parce que ça fait la 10e fois que je refais mon intro juste parce que je suis mort bêtement à la fin de ce niveau-là. Contrairement à la version Mega Drive, quand on a 50 anneaux à la fin, on doit pas sauter sur un anneau, c'est juste le panneau qui nous indique qu'on a le droit d'entrer dans le niveau bonus. Le niveau bonus, c'est un genre de flipper. On a 1 minute pour récupérer un maximum d'anneaux pour gagner une vie. Vous pouvez voir que Sonic saute plus ou moins haut en fonction des bumpers. Les violets ne font pas sauter très haut, les oranges moyennement et les verts très haut. Dans les niveaux bonus, on peut aussi récupérer un continu. Et vous pouvez voir, c'était aussi écrit Sega en anneaux. J'ai pas grand chose à dire sur les niveaux bonus, à part que la musique est assez sympathique. La plupart des niveaux bonus sont largement plus de 100 anneaux. Et donc on peut récupérer une vie supplémentaire, plus un continu et quelques points en fonction du nombre d'anneaux qu'on récupère à la fin. Vous pouvez voir aussi que le compteur, après avoir atteint la barre des 100, est revenu à 0. Ça fonctionne comme ça dans tout le long du jeu. Le compteur fonctionne plus ou moins comme dans Mario. Donc ça veut dire que si, dans le jeu normal, vous récupérez 100 anneaux, à la fin, vous vous retrouvez avec 0. Et donc c'est possible de vous faire tuer comme ça. Ensuite, ce niveau-là, il commençait assez gentiment avec un bouclier. Ici, il y avait une télé que j'ai totalement oublié de récupérer. Mais par contre, je vais pas oublier de récupérer la vie supplémentaire qui se trouve là. La particularité du jeu-là par rapport à la version Mega Drive est que chaque niveau contient une vie supplémentaire qui est cachée dans l'endroit. Donc, j'essaie de tous les récupérer. Et si je les récupère pas tous, ne vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo à part pour la trouver. C'était là, c'est un continu, enfin, c'est un checkpoint. C'est plus ou moins l'équivalent des poteaux dans la version Mega Drive. Aussi, vous pouvez remarquer que l'un des vos bonus ne contenait pas d'émeraude. Et tout simplement parce que toutes les émeraudes sont cachées dans le niveau. Il y a 6 émeraudes dans le jeu. Et en général, elles sont pas vraiment très très bien cachées, mais il faut quand même savoir où elles sont pour la rechercher en fait. Mais elles sont pas vraiment très difficiles à trouver. Même si certaines sont assez dures à récupérer, comme vous pourrez le voir bientôt. Donc, comme vous pouvez voir, c'est Green Hill Zone. Ça reprend plus ou moins les graphismes de Green Hill Zone dans la version Mega Drive. Ce niveau n'est pas vraiment très difficile. Ce jeu est même beaucoup beaucoup plus facile que la version Mega Drive. On a beaucoup d'anneaux et pas beaucoup d'ennemis. Je vais voir si j'ai la fin du niveau. Comme je disais, donc les niveaux sont beaucoup plus courts qu'on a la version Mega Drive. Et voici le deuxième niveau bonus. Il y en a 4 au total pour les deux premiers mondes et pour les deux mondes suivants, c'est les 4 premiers mais avec une difficulté supplémentaire. Mais vous verrez ça un peu plus tard.
Mais à partir du deuxième niveau, chaque niveau bonus aura aussi une vie supplémentaire. Je vais essayer de récupérer quelques vies supplémentaires. Je sais que la sortie se trouve là-bas. Pour avoir une vie supplémentaire si j'ai le temps. Il faudra que je parte maintenant parce que... Bon, tant pis. Bon, tant pis, il y aura plus de temps. En tout cas, ça va permettre de vous démontrer aussi une particularité qu'a pas le premier Mega Drive, mais les suivants. C'est que quand on récupère 50 000 points, on a une vie supplémentaire. Là, vous avez pu remarquer que chaque anneau valait 200 points. Parce que plus on fait de niveau bonus, et plus on a. On peut récupérer de points. Donc là, c'est le niveau du boss. Contrairement à ce premier Sonic, les niveaux sont. Les niveaux de boss sont très courts. Et ne contiennent aucun anneau. Donc c'est-à-dire que si vous n'avez pas rapporté un bouclier du niveau précédent, vous allez devoir battre Robotnik. Ça vous prend du coup, mais en général, c'est pas vraiment, vraiment difficile. Donc voilà le premier combat. Assez simple, il vole au-dessus. Et après, il commence à descendre. Et puis ensuite, il fonce. Il ne fait absolument rien comme attaque, comme réattaque. Il est aussi possible de l'attaquer en... avant qu'il descende, c'est assez dur. J'ai pu le démontrer ici. D'ailleurs, je suis assez surpris parce que je l'ai fait sur vraie console, mais à chaque fois j'avais un peu de mal. Donc, à la fin, comme dans tous les Sonic, on libère des animaux. Ces trucs sympathiques, l'homme d'émeraude qu'on a récupéré, sont montrés en bas de l'écran. Et donc voilà un niveau qui n'existe pas dans le Sonic Mega Drive, Bridge Zone. Comme le nom l'indique, c'est un niveau qui contient beaucoup de ponts. Et je viens de perdre ma première vie sur... évidemment le... système de... qu'on ne puisse pas bouger après s'être pris un coup existe aussi dans ce jeu-là. Malheureusement. Il y a des poissons qui sortent de l'eau, des poissons volants, un classique de jeu vidéo. Et voilà le fameux gimmick des pois qui existe dans Starlight Zone dans l'original. Et qui est évidemment une version beaucoup beaucoup plus affiliée à celle-là puisque le pois ne fait absolument rien. Il ne peut pas blesser. Je vais laisser en profiter pour la musique qui est assez jolie dans ce jeu là pour les moments où j'ai rien à dire. Donc je sais qu'ici il faut monter assez haut pour pouvoir récupérer la vie. Donc, et la deuxième émeraude se trouve ici. Donc il suffit tout simplement de se mettre sur ce pont qui s'effondre et de sauter, mais pas très très haut. Parce que sinon, on passe en dessous, au-dessus du dire. Petit conseil pour ce jeu-là, je vous déconseille vraiment d'avoir de récupérer certains anneaux pour avoir une vie supplémentaire. Non seulement parce qu'après on se retrouve avec 0 anneaux, et tout simplement parce qu'on récupère beaucoup plus de vie avec le niveau bonus. D'ailleurs, en parlant de niveau bonus, je vais tout simplement couper ces niveaux au montage. Parce que tous les niveaux bonus sont à peu près similaires. Donc pour donner un peu de rythme au jeu, je trouve que ça sera mieux de pas les montrer. De les montrer sur les vidéos à part. Donc ce niveau-là est assez original. Enfin, façon de parler. Parce que c'est un niveau en scrolling automatique. Ce genre de niveau n'existait pas dans le premier Sonic. Mais le problème, c'est que ça va pas vraiment dans la Sonic. Parce que du coup, c'est dire que ce niveau est très lent. Mais ce niveau est vraiment, vraiment très lent.
n'y a pas grand chose à dire sur ce niveau là. À part que la vie supplémentaire est bien cachée. C'est la première vie supplémentaire à être bien cachée d'ailleurs. La vie dans Green Hill Zone 2 était bien cachée, mais était assez facile à récupérer. Parce que certains d'entre nous ont la technique, ont l'habitude de chercher dans les murs, sur certains murs. Mais c'est là. Je crois que vous avez à peu près deviné où est-ce qu'elle est, la vie, là. Et non seulement... Enfin, je veux dire, elle est... Faut vraiment... Faut avoir un réflexe que certains joueurs n'ont certainement pas. C'est-à-dire se baisser en dessous et voir que la vie se trouve ici. C'est pas la vie la plus facile à récupérer, hein. Faire attention aux ennemis qui apparaissent de l'écran, c'est pas très sympa quand on se trouve justement à droite de l'écran parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour réagir. Ces poissons existaient dans Sonic 2, je crois pas qu'ils aient existé dans Sonic 1. Je crois que la version Mega Drive, il va falloir que je fasse très attention à mon Beno parce que je commence à la retrouver. Il va falloir que je fasse attention au screening. Voilà. Donc pour la fin, c'est assez facile, vous courez. Youhou. Est-ce que c'est possible de finir le jeu en 2 minutes? Oui. Alors je sais plus combien ça rapporte de points, 2 minutes. J'ai vraiment compris le système de points dans ce niveau parce que finir le jeu avec... je sais pas pourquoi, finir le niveau en 30 secondes devrait rapporter plus de points qu'en 31 secondes. Mais bon, c'est leur système de calcul de points, je laisse faire ce qu'ils veulent. Donc cette ville-là est pas très difficilement cachée. Je suis presque sûr que Capcom a copié dessus de Mega Man 4. Donc ce boss-là n'est pas vraiment vraiment évident, surtout quand on veut être rapide. Parce que si on veut sauter pendant qu'il a une période d'invincibilité, on se fait avoir. Mais à part ça, il est assez facile à battre. Faut surtout faire attention à quel endroit il tire parce que il peut directement le faire tomber dans l'eau suite au recul des dégâts. Donc ce niveau là est assez simple. Notez qu'il y en a moins de temps que pour les autres niveaux, 45 secondes au lieu d'une minute. Donc à partir de ce moment-là, il vaut mieux surtout se concentrer sur les continues et la sortie du niveau. Tout simplement parce qu'il peut être difficile de sortir en se prenant ce bumper qui est tout en haut. Faut faire attention, il y en a aussi un ici. Et oh là là! Évidemment, comme tous les comme dit David tout à l'heure, c'est un niveau flipper. Ça veut dire qu'on peut se faire rebondir assez rapidement. Donc voilà ce qui conclut le troisième niveau bonus. Et donc ce niveau là c'est un niveau vraiment vraiment flipper parce qu'il y a les fameux comment ça s'appelle, oui je crois que ça s'appelle les flippers d'ailleurs, qui s'active quand on appuie sur le bouton de saut. Donc l'objectif de ce niveau c'est de descendre tout en bas. Là j'ai récupéré une vie supplémentaire et à la fin il y a deux vies supplémentaires à ce moment-là, donc les états continuent. Mais le truc c'est que quoi qu'on fasse, comme vous le voyez, les deux vies disparaissent quand on en prend qu'une. Ça c'est dommage. Ça aurait pu récompenser les joueurs qui seraient bons en prenant les deux en même temps.